Salut à tous, ici Boyasnes pour une toute nouvelle vidéo Vide Grenier Live. It's me, Mario. Salut. C'est qui celui-là? Un touriste. Non, je suis sûr que tous mes abonnés ont vu ta vidéo. Ah, c'est probable, hein. Ah ben avec 120 000 vues, je pense qu'ils sont les 8 000, je pense qu'il y en a 95% qui l'ont vu. C'est probable, ouais. Donc on fait l'intro maintenant parce que j'ai oublié de la faire tout à l'heure. On a trouvé quelque chose, quelques trucs. Et là, on se taille, il est 7h. Certains sont fermés à cause de pluie. Ouais, il n'y a pas une goutte. Je pense que ce soir, il va pleuvoir. Mais là, il risque de faire un peu venteux. Ben, il y a pas mal de vent. Mistral, qui commence à perdre la voix en plus. Et là, on va faire les écoles. Il y a pas mal d'écoles sur Marseille. Donc, on verra bien ce que ça donne. Et je vous dis à tout à l'heure. Je vous laisse sur ces quelques images. Bye l'équipe. Bonjour. Bonjour. Vous voulez vendre combien à tout hasard, s'il vous plaît? 3. 3 euros? Vous en avez d'autres à tout hasard? Pas aujourd'hui. Ouais, pas aujourd'hui? Ouais. Prochaine fois? Ouais. Regardez, 2 euros pièce. Ouais. Non, monsieur, 2 euros pièce, désolé. Plus ancien, tu fais Game Boy. Ouais, c'est pas à cartouche, c'était Game Boy, Nintendo. Non. Merci. Lequel vrai? La blanche. Et la bleue. C'est le petit jeu. J'arrive. 4 euros. Et je trouve. Dan, c'est parti. Je veux sympa. 10 euros celui-là. Celui-là, c'est pour. C'est pas 10 euros. J'arrive. Ça, 5 euros. Même le médiéval. Ouais. 36, monsieur. C'est toi 2 euros les chaussures, monsieur. Il faut y aller. C'est toi 2 euros. 15. 3 euros, vous allez laisser, madame. Oui, maintenant, 5 euros, je vous ai dit. Non, madame, 5, désolé. Merci. C'est le Xbox première génération. Hop, pardon. Bonjour, excusez-moi. Bonjour, combien le. 1 euro. C'est pour écrire. C'est un bloc-notes, oui, d'accord. Mais je connais pas ce jeu. Regarde, les micro-manions aussi, c'est rigolo. Vous le vendez combien, s'il vous plaît? 5 euros. Warhol David. Vous en avez pas d'autres? C'est la dernière. PS2 aussi. Hein. Spec Ops, Batman. Colin. Eras Moquette, chaque fois Yui joue à ça. Rayman. Worms, il est bien aussi. Crash Bash. Vous les faites combien les CD s'il vous plaît? CD là, 2 euros. 2 euros? Lui était bien à jouer. Ouais, ma petite Ayam, c'est sympa. Oh putain, dommage.
C'est que des platinium en plus. En PS2, tu as rien vu qui t'intéresse? Non, moi y'a rien du tout. Ah, j'ai pas regardé que les trois, t'as regardé? Non, j'ai pas regardé, non. Tu viens de FIFA? Tu veux danser? Non, ça va. Il y a tout ici, là, voilà, j'ai vu ça tout à l'heure. Tiens, je mets la drive aussi. Ouais, je l'ai vu, moi je l'ai aussi là. Tu l'as déjà? Tu m'entends, je SNES? Je vais voir. Bonjour. Vous les faites combien, les jeux de... Celui-ci par exemple. Mon ami c'est combien ça? Ça, 5 euros c'est bien. Celui-là tu les fais combien? Tu les fais combien les jeux, Roman? Roman, tu les fais combien les jeux? Les jeux, Pokémon, 5 euros. D'accord, je regarde tout, après on regarde ensemble. La PS Vita, 70, je ne connais pas. La Wii. La Wii, la Wii. Mathieu, il avait dit de l'eau, toute la Wii avec la balance board, les manettes, tout. C'est 150 euros. Ça va? Ça va pas. Ça va? Combien est-ce que ça? Celle-là, voilà. 70. Celle-là? 70 avec des... Et celle-là, c'est combien? Les 4. C'est la forme de l'eau. Plus complet. Oui, j'imagine. Mario Galaxy, ça, on en a joué un. Vous regardez là? Oui. C'est rigolo, c'est, j'aime bien la gueule des cartes. C'est qui sont sortis. Alors, qui c'est qui a été le regagnant de la journée? C'est moi la loose. Alors là, on a un rétro cassé. Et là, on a la vieille de la vieille. C'est mal au cou. Tu as la télécommande ou pas alors? J'ai la télécommande. C'est quoi? En boîte? Non. 9 sous blister? 5 euros, franchement. Mais attends, nous, il nous faut du 9 sous blister pour Fabio. Mais non. Fabio la Serpierre. Il faut savoir des fois prendre de l'occasion. Monsieur propre. Ouais, parce que C'est toi, monsieur propre. Ouais, monsieur Lalouse, ouais. Je sais pas. Ouais, lui, c'est le rétro cassé et l'autre, c'est le Cédi. Lui, c'est le rétro pas cassé, lui. Et on en a un devant, là. Fabio Rétro. C'est monsieur Playmobil pour la petite aujourd'hui, je crois. Ouais. Tu as pas trouvé alors ton. Ciao, Carouche. Ciao. Tu seras sur ma vidéo. Encore. Tu as pas trouvé tes rails? Si. Ah, tu les as vaincus combien alors? J'en ai trouvé encore un autre lot, encore plus gros, 10 balles, donc j'ai tout pris. D'accord. Ouais, il était content, c'est fait faux pour elle. Bon, allez, on va vous laisser sur ces quelques images. Je crois qu'on va aller faire un autre vide-grenier chez moi. Allez. On va voir. On parce va qu'on essayer, on a entré. Tu vois, il y a Axel qui m'écrit. Alors, t'as fait quoi les VG ce matin? Jude, ça veut dire salope, non, Jude? Non, c'est pas tout. Salope, attends. Conquérac, je veux les t-shirts. Quelqu'un veut demander quelque chose à Conquérac? Si, les t-shirts. Ouais, on n'a plus rien pour s'habiller. Faut que je fasse réparer mon rétro. Ouais. Moi je veux la Dreamcast. C'est ça. Y'a tout le monde qui veut quelque chose. C'est ça. Bon allez, on va à l'autre vide grenier. Tu vois l'équipe. Trouver ton bonheur. Oh bah forcément, je regarde. Hein. C'est toujours la PSN toi. C'est toujours, hein. Je ne m'arrêterai jamais. Hein. Tu améliores les boîtes. Ouais, là les boîtes elles sont propres. T'en veux toi? Non, non, merci, c'est pas la PSN, moi c'est la Super Nintendo. Merci beaucoup, au revoir. Bon courage, au revoir. Ah ouais, c'est gamin. Bon,
Viens par là. Qu'est-ce que tu as pensé de ces vide-greniers? Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Ça change, hein. On n'a pas couru aujourd'hui. Ça fait 5 ans que je l'ai pas fait, tu vois. Ben, putain, ça change vachement. Il n'y avait pas l'autre, ils l'ont annulé. Ouais, sinon, tu as vu que c'était quoi de courir. Parce que là, c'était... Vous avez couru tout à l'heure quand même. Un petit peu. Ouais, il y avait 5 mètres à faire. Oui, c'est vrai. Là-bas, non. C'est en fait c'est à Pointe de Vivo. Ils t'ouvrent le portail là. Ouais. Et si là, la voiture, il y a même plus. Il y a 150 mètres avant d'arriver au premier stand. Là, c'est sprint. Donc là, ouais, c'est vraiment tout le monde court. Et Axel, il l'avait filmé sur ça justement. Et, non, quand tu, c'est comme tout à l'heure, quand tu envoies un courir, tu es obligé de courir. Et ouais, tu sais que le mec il court pour ça. Raison, quoi. Et ben non, et tu sais qu'en plus lui il court pour les jeux. Ouais. Donc si tu cours pas pour les jeux, tu n'as pas de jeu. Et au final, on a couru, regarde. Ouais, ouais. Il est parti à droite, il est parti à gauche. Ça valait le coup de courir cette fois. Ça valait le coup. Heureusement que je suis pas tombé cette fois-ci. T'es tombé la fois. Non, quand même. Chaque fois, on se dit on va se faire des balayettes à chacun. Et Ney va courir, il va se prendre un shoot un jour, j'imagine. Mais bon, on va montrer ça après dans les trouvailles plus tard. Je vous laisse. Ciao l'équipe. Salut à tous. Putain, ça y est, j'ai déjà plus de voix. Alors, on va faire le petit compte rendu sans voix. Il est 14h et je suis déjà en retard. Donc, on va essayer à faire ça vite, vite. Parce que j'avais rendez-vous à 14h. Il est 14h, je suis à peine en train de tourner. Le compte rendu sans voix, donc ça va être hard. On n'a pas trouvé grand-chose. On a trouvé un boulot qui sauve la journée, il faut dire ce qui est. Donc, vous avez dû le voir dans le live. On va commencer par la base, ce que j'ai préféré de la journée. Alors tout simplement j'ai trouvé un petit Astérix Oblix sur Super Nintendo, bien en loose. Il avait un scooter pourri lui qui passe en loose, mais un excellent titre. Donc un jeu très 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 dur, parce que c'est vrai que quand je vais vous dire, regardez la dernière vidéo d'Edward sur le... Je crois que c'était la dernière vidéo qu'il a fait sur Astérix. J'ai bien aimé, ou alors c'est une dernière que j'ai regardé. Mais c'est vrai qu'il explique bien le style de jeu que c'est et que c'est assez compliqué. Donc on te touche mais tu arrives plus ou moins à toucher la personne adverse. C'est dur. Alors comme d'habitude, je sais pas ce qui se passe en ce moment, je prends beaucoup de jeux PS1 en loose. Donc il y a le Crash Team Racing qui est dans un sale état, mais bon, j'ai un collègue, il a la machine, donc je vais les refaire. Le Spyro Years of Dragon, vivement la trilogie, celle-ci je pense que je vais me la prendre. Et le Crash Bash avec le jeu SNES, donc j'ai payé 5€ les 4. Donc je trouve ça plus que correct. Alors celui-ci je l'ai pris parce que franchement c'est la première fois que je le voyais. Le Champion Choquet en PS3, donc il n'y a pas la notice. Mais vraiment, Axel, Conquirax, s'il te plaît, je ne peux pas faire mes vidéos. Je ne peux pas si tu m'écris toutes les 30 secondes, gros. Ça va être dur. Donc en fait j'avais une idée pour la prochaine vidéo qui arrive de mercredi, de faire un peu dans le même style qu'Axel. Donc on en discute un petit peu ensemble. Parce que je veux pas trop marcher sur ces plates-bandes. Même si c'est vrai que la plupart d'entre nous, donc... Je dirais pas des noms, mais on voit que chez Axel ça fonctionne. Donc la plupart du temps, les gens quand ils voient que ça fonctionne chez quelqu'un, ils essayent à refaire la même chose. Donc j'essaye à pas faire la même chose et à me mettre vraiment sur mon thème à moi, la Super Nintendo. Donc sur Facebook, je vous ai mis un petit indice de la prochaine vidéo. Je demandais un peu à Axel des conseils, c'est plutôt son domaine. Donc c'est vrai qu'il est plutôt cool de ce côté-là, à me donner des conseils et essayer à pas marcher sur ses plates-bandes non plus. Donc le Champion Joker, on s'en fout mais on l'a trouvé. J'ai marché sur ces plates-bandes par contre avec le Luigi Mansion. Alors là je suis plutôt content parce que franchement au milieu de DVD comme ça, il est vraiment nickel. En plus il n'y a que la jaquette qui est un peu morflée, il y a deux petits pets. Comme d'habitude toujours il y a des petits pets à l'arrière, je sais pas pourquoi. Excellent, excellent, excellent titre, si vous l'avez pas fait, à faire absolument. Le 2 je l'ai pas fait sur la 3DS, même si je l'ai trouvé, je l'ai pas fait. Franchement la DS je kiffe moyen, mais ça me permet de faire la liaison avec le lot que j'ai pris aujourd'hui, donc celui qui m'a fait le plus plaisir. Donc on va commencer par 5 jeux sur la Wii. Le Super Mario Galaxy 2. Il va falloir qu'un jour je me l'efface parce que tout le monde me dit que c'est un peu dans la lignée du Mario Sunshine. Et vraiment excellent titre. Donc j'ai pas fait le 1, j'ai pas fait le 2. J'étais plus resté sur le Mario 64 et le Mario Galaxy. Donc il va falloir trouver un certain temps. Mais le temps, c'est impossible, c'est un truc de fou. C'est impossible. Regardez, 14h05, on est déjà en retard. Le Donkey Kong Return. Donkey Kong Country Return sur la Wii, le Mario Bros sur la Wii, le Poké Park numéro 2 et le Mario Party 8. Voilà, donc ces 5 là avec le reste qui arrive. Alors, il y avait 4 jeux de 3DS, le New Super Mario Bros numéro 2, le Super Mario 3D Land, le Mario Kart numéro 7, je sais pas si c'est avec le contre-jeu, à chaque fois on va aller voir, avec la lumière, et le Kid Icarus. Donc, ces 5 jeux de Wii, ces 4 jeux de 3DS, et le reste en DS. Il y avait en jeu de DS, on va réussir à le choper, le Mario Kart DS. Il y avait le Diddy Kong Racing, celui-ci, bah, déjà l'ami Conquirax a mis la main dessus, il m'a dit je le veux, je l'ai pas. Donc oui, pourquoi pas, t'inquiète.
le Pokémon Donjon Mystère, je crois que j'avais chopé la semaine dernière également. Le Pokémon Ranger, on le voit pas souvent les dérivés, c'est vrai qu'on les voit pas. Et celui-ci est vraiment très propre. Le Pokémon Soul Silver, c'est celui où il manque vraiment la jaquette, la notice, donc il a été découpé. Mais bon, la cartouche, c'est déjà ça. Ah, si c'est pas Axel, c'est Baba, hein. Voilà. C'est ou l'un ou l'autre aujourd'hui. Le Pokémon version noire numéro 2. Ensuite, le Pokémon version diamant. Et j'ai pas compris pourquoi on lose le Pokémon version noire. Et celui-ci, c'est le Pokémon, le dernier version pâle. Sauf que, dedans, c'est le version diamant. En fait, il y avait deux fois le version diamant, j'ai pas fait attention. J'ai vérifié vite fait parce qu'en fait, il y avait beaucoup de monde. C'était une école, on venait de rentrer. Je suis tombé sur une personne qui vendait des 3DS, des DS, des jeux de Wii, des Wii, enfin plein de choses comme ça. Sur les jeux, au départ, il me dit à peu près 5€ pièce, les Pokémon. Les Mario, il m'a pas dit parce qu'il a été direct à... Tout le monde s'est jeté dessus pour les consoles 3DS. C'est vrai que les consoles sont pas mal recherchées, mais les jeux, ben, j'ai pu avoir le temps de chiner ce que je voulais. Et au final, le tout pour 25€, il m'a dit j'ai payé, je suis parti, j'ai pas cherché à comprendre. Donc voilà, ça me permettra, je sais que j'ai mis un beau jeu, enfin j'essaie à faire mettre de côté un beau jeu dans une boutique qui s'appelle Game Club. Donc il me semble qu'Axel avait fait une belle vidéo, je la mettrai dans la description ou alors sur les côtés, je vous mettrai un lien. Une très belle boutique qu'il y a sur Aix et sur Avignon avec un patron au top. Les ND, ça fait un an et demi, je crois qu'il a ouvert ses deux boutiques, une après l'autre. Donc c'est un très bon vendeur, il est vraiment sympathique et il a de temps à autre du SNES en boîte. Je ramène pas mal de trucs et au final je peux peut-être me prendre un beau jeu, un très beau jeu sur Super Nintendo que je n'ai jamais eu. Même avant de faire la petite entaille dans ma collection, une grosse entaille pour moi. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si un jeu vous a plus marqué que d'autres. Des fois, c'est vrai que j'ai dans les commentaires, tu as oublié de prendre celui-ci, tu as oublié de prendre celui-ci. Après, je prends pas tout. On me fait souvent la remarque que bah, le dernier live, je me suis un peu pourrir parce que je suis honnête justement en disant que certains jeux sont à la vente ou à l'échange. Donc la plupart, j'ai eu, je crois, une centaine de dislikes parce que voilà... Bah, c'est la vie, les gens aiment bien critiquer sur certains points. L'honnêteté est parfois mauvaise sur YouTube. Ou alors te faire croire honnête comme certains, par contre c'est différent. Ça permet d'avoir une bonne visibilité. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Mercredi, une très belle vidéo qui devrait sortir. Je suis en train de faire l'écriture. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait d'écriture pour une vidéo comme celle-ci. C'est pas une écriture. Celle de mercredi, il y a une écriture. Donc j'espère qu'elle sera bien, j'espère que j'aurai le temps de la tourner aussi. Logiquement, demain je suis de repos, bien que j'ai ma fille que je récupère, je devrais avoir le temps de finir l'écriture, de la tourner. On va essayer de la tourner mardi matin quand la petite est à l'école. Entre le sport et l'école, ça va être tchort, mais on va essayer à tourner ça en l'ayant écrit, ça devrait être déjà plus rapide et plus simple. Et voilà, j'espère que vous avez pu trouver un peu des bonnes choses. Chaque fois que je regarde le retour, la caméra, ça me rend fou quand je regarde le montage, mais c'est dur. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous avez trouvé pour vous dans votre vide-grenier. Et puis c'était Boyasnias, jouez bien, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Ciao l'équipe.